Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On continue le cartonnage, on va continuer la commode. Alors aujourd'hui, bon, la vidéo va être un peu plus courte. Je vais surtout mettre déjà le tissu sur une partie de l'extérieur. Et elle va être un peu plus courte parce qu'aujourd'hui je ne suis pas en grande forme. Voilà, je suis un peu patraque. Fatiguée, puis je sais pas, j'ai le ventre barbouillé, donc je vais juste avancer un peu là-dessus. Voilà, la vidéo sera plus courte aujourd'hui. Bon, certaines d'entre vous diront peut-être youpi, tant mieux, parce que c'est vrai que là les vidéos cartonnage sont un peu longues, mais bon, je peux pas faire autrement. Bon, je pourrais bien vous couper, hein, faire des coupes, faire du rapide, tout ça. Mais bon, j'ai vu que certaines d'entre vous aimaient bien ce format-là également en vidéo. Donc, j'essaye de faire au mieux pour, un peu pour tout le monde, pour que ça plaise un peu à tout le monde. Aujourd'hui, on va mettre ce tissu. Je vous remontre pour celles qui ne l'auraient pas encore vu. Voilà. Je vous montre de près, donc il est noir. Là, ça fait un peu des reflets gris, mais c'est à la lumière, on voit pas bien. Il est noir avec des arabesques un peu grises. Voilà, donc on va mettre ce tissu sur l'extérieur, donc sur les deux côtés. Voilà, alors on va mettre ici devant, on va mettre sur ce côté là et sur ce côté là. Voilà. Derrière, pas tout de suite, parce qu'il va y avoir le couvercle à faire. Et donc, l'arrière se fera après, le couvercle. Donc, pour faire sur les côtés, je vais utiliser une plaque de cartonnage, de cartonnette, pardon. Puis voilà. Hein, ma colle, mes ciseaux, mon cutter, comme d'hab. Voilà. Ouais, j'ai une sale tête, hein, aujourd'hui. Ce matin, du coup, je suis allée à la mairie. J'ai été chercher mes masques que la mairie nous donne. Ils sont superbes. J'ai vu pas mal de mairies qui ont donné et puis beaucoup de gens qui s'en plaignaient. Mais nous, ça va, ils sont nickel. Ils sont comme ceux que moi, je fais moi-même. Donc c'est pas mal, c'est bien. Et du coup, j'en ai eu. Je mesure en même temps que je vous parle. Hein. J'en ai eu 5 jetables. Voilà, 5 jetables. Et j'ai eu également un lavable. On a eu chacun donc notre lot, moi et mon mari. Donc ça nous fait 10 jetables et 2 lavables. Et dans quelques jours ou 15 jours peut-être, ils ne savent pas exactement, on nous rappellera pour nous redonner un lot de lavables. Voilà. Alors je ne sais pas s'ils redonneront des jetables en même temps. On verra bien. Hein. C'est déjà pas mal, hein, parce qu'il y a des mairies qui ne le font pas. Donc, voilà. Hop, je marque. On entend les chiens aboyer dehors. Alors, je vais basculer. Excusez-moi, j'ai oublié de vous basculer. Je vous bascule tout de suite. Voilà, je vous ai basculé. Mon autre règle, ça va être pas assez longue. Donc, j'ai été chercher mes masques. Bon, ça va, j'étais de bonne heure. Il y avait une quinzaine de personnes devant moi et ça a été très vite. Hein. Il fallait s'inscrire avant, donc ils vérifient notre identité et puis voilà.
là, pareil, je dois aller voir mon médecin, voir si par rapport à mes maladies, si j'ai le droit, moi, au masque sur ordonnance, et aussi mon mari, s'il a le droit au masque sur ordonnance. Enfin, lui, oui, je suis sûre, parce qu'il est diabétique. Moi, je ne sais pas. Je verrai. Bon, comme j'ai plusieurs maladies, malheureusement, peut-être que j'aurai droit aussi au masque sur ordonnance. Je vais voir. De toute façon, si j'y ai droit, je le prends. Hein. Je ne vais pas les laisser. Hein. Oh là là, les chiens. On va en faire un deuxième, parce qu'il y a deux côtés. Hein. Alors déjà, ouais, je me suis plantée là. Ah, ça commence bien, ça commence bien. En bas, je me suis trompée. Oh là là. Ouaf, 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 ouaf. Les ouaf, 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 ouaf. J'ai quand même pris rendez-vous chez le docteur. J'y vais vendredi. Bon, de toute façon, pour mon ordonnance du mois, donc. Puis comme il fait très très chaud aujourd'hui chez nous, je crois que je suis pas très un peu aussi à cause de ça. On n'a plus l'habitude de la grosse chaleur. Possible, il y a un nouveau chien dans le quartier. Je ne connais pas cet aboiement. Voilà, je fais au petit cutter parce que c'est de la cartonnette, c'est pas épais. Eh ben, on a du bruit hein, aujourd'hui, les filles. Puis je vais pas fermer la fenêtre parce qu'il fait trop chaud. En voilà une. On va faire la deuxième.
Voilà. Là, je vais couper le bout qui est là. Ce sera une chute. Voilà. Donc, je vais vérifier que je ne me suis pas trompée dans mes mesures. C'est bon. Voilà. Là maintenant, ici devant. Voilà. Zut, dans ce sens-là, ça, j'ai pas assez. Ah mince. Donc, on va prendre un autre morceau de plaque. Là, c'est bon. Il manquait pas grand-chose, hein. Il manquait 5 mm. Mais bon. Déjà, c'est pas perdu hein, de toute façon. Aujourd'hui, du coup, à part la mairie, je ne suis pas bougée. De toute façon, j'essaie de bouger le moins possible de chez moi. Aujourd'hui, j'aurais voulu faire du jardinage, mais comme je devais bouger à la mairie, pour aller à la mairie, c'était. Et là, comme il fait trop chaud, il n'y aura pas de jardinage aujourd'hui. On coupe. Voilà. Et donc celle de derrière, ce sera pour plus tard. Hop. Pareil, je vais vérifier que je ne me suis pas trompée. C'est bon. Alors maintenant, je vais prendre mon tissu. Mais mon Dieu, qu'il fait chaud. Alors, là, ça remonte. Voilà. Il faut que je réfléchisse à tout hein, en même temps. Pas faire de bêtises. Parce que comme je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, une fois que c'est collé, c'est foutu. Voilà. J'ai changé mon eau, hein, vous avez vu. La dernière fois, elle était vraiment cracrade. C'était plein de colle. Je vais coller avant de couper mon tissu.
comme ça c'est mieux. Donc là, je fais un grand rebord, c'est exprès, c'est pour retourner à l'intérieur de la commode. J'aime bien ce tissu, il est joli. Alors ce tissu-là, il vient pas de chez EB, hein. Ce tissu-là vient de la boutique de mon amie Sylvie, donc la boutique Pic et Patch. Je vous remettrai le lien de sa boutique en barre d'infos. Vous pourrez voir le joli tissu. Toujours souvent des nouveaux aussi. Donc n'hésitez pas à aller visiter sa boutique qui est sur Facebook. Elle a aussi un blog. Elle livre rapidement hein, quand vous passez une commande. Et en plus, ils sont d'excellente qualité, pas très cher. Et puis, je vous dis, vraiment de bonne qualité. J'ai jamais eu de problème. Je vais couper là, un tout petit bout. Voilà. Quand on commence à mettre les tissus extérieurs, c'est là qu'on voit qu'on se dit la commode, ça y est, elle prend forme. Donc là, je vais la mettre. Je sais pas si vous allez voir comme ça. Je vais relever un petit peu. Voilà. Bon, je mets de la colle sur mon téléphone. Avoir peur d'en mettre hein, et de bien tirer la colle.
en parlant de Sylvie, bah, c'était avec elle que je devais faire le salon de Mont-Saint-Barœul, hein, qui a été annulé. D'ailleurs, on a eu la nouvelle date. Je vais vous montrer un peu. Voilà. Vous verrez pas mieux, je ne pense pas. Donc je vous disais, le salon de loisirs créatifs de Mont-Saint-Barœul a été annulé là pour le mois de juin. Ça devait être le 13 juin. Mais je vous en avais déjà parlé. Et donc on a eu la date pour l'année prochaine. Puisque c'est reporté à l'année prochaine. Ils nous le font le 12 juin, voilà, l'année prochaine. Alors moi, je ne sais pas encore si je le ferai, je verrai. Non, mais en fin de compte, je vais le coucher. Désolée les filles, chou. Voilà, ce sera mieux. Je ne sais pas si je le ferai. Je sais pas si j'ai encore envie d'exposer. Enfin, je l'ai fait qu'une fois, hein, d'exposer, mais je sais pas si j'ai encore envie ou pas. On verra. Alors, j'avais un pliloir quelque part, ici. C'est pas celui-là que je cherche, mais ça fait rien. Voilà, le premier morceau. En fin de compte, je vous laisse droite. Hein. Oh là là, pas vous. Voilà. Donc là maintenant, on va s'occuper de ce côté-là. Je vais venir ici, comme ceci. Oui, donc je disais, je sais pas si j'ai encore envie d'exposer ou pas. Parce que bon. C'est beaucoup, beaucoup de préparation. Parce qu'il me faut de la marchandise hein, pour exposer. Pour pas beaucoup de ventes. Donc. On verra mon humeur. Il bah, faudra que je me décide quand même peut-être 6 mois avant. Mais on verra, on verra, on verra. C'est pas encore d'actualité pour l'instant. Propre pour lisser.
Allez, on va couper. Donc, là, il y a un côté qui va se rabattre derrière. Là, il ne se rabat pas. Là, il se rabat. Là, il se rabat. D'accord. Je réfléchis tout. Ah, ça doit être mon pacha. Il sait qu'il n'a pas le droit d'aboyer pourtant, hein. Disputé par son papa. Et voilà. Donc c'est bon. Je mets bien de la colle. Voilà. Là, il faut que je l'ai devant moi, excusez-moi les filles.
les pinces après. Là. Maintenant, on va faire l'autre côté. Celui qui va venir ici. Ça sur le côté un petit peu. Et aujourd'hui ça va assez vite. Hein. Mais le plus long c'est la structure. Hein. Bon après les tiroirs, je ne dis pas que ça va pas être long. Hein. Mais bon, j'ai peut-être envie de le couper tout de suite. Je suis embêtée à chaque fois. Alors. Jamais vu hein, quelqu'un couper avec un ciseau à l'envers. Hop, comme ça. Ah oui, j'avais dit que je mettrais des pinces. Je ne sais même pas où j'ai mis mes pinces. Là, j'en ai une. Je ne sais pas où j'ai mis mes pinces. Ah, et voilà.
Voilà. Comme ça, pour que ça tienne bien, que ça colle bien. Sur le côté. En parlant de jardin tout à l'heure, est-ce que vous avez un jardin chez vous? Et vous faites quoi plutôt comme jardin? Si vous en avez un, bien sûr. Faites quoi plutôt comme jardin? Jardin de fleurs, jardin potager ou alors les deux peut-être? Bon, moi c'est vrai qu'il y a plus de fleurs que... fleurs, moi, des framboisiers, des fraises. Je sais pas, moi les légumes ils ont du mal. Peut-être parce que aussi ça fait il y a très très longtemps qu'il n'y a jamais eu de légumes dans le jardin. Il n'y a personne avant moi, je ne sais pas ce qu'elle faisait avec son jardin. Elle a peut-être mis des cochonneries dedans tant que ça se dissout. Là, c'est pareil, je vois tout le monde montrer déjà ses rosiers en fleurs, montrer son lilas. Moi, j'ai pas eu mon lilas, bon, c'est un lilas bébé. Hein. Mais l'année dernière, elle m'a fait une fleur, cette année, pas du tout. Les rosiers n'ont pas encore de fleurs. Je suis désespérée cette année dans mon jardin. La colle Cléopâtre ne coûte pas trop cher quand même. Bien partout.
ce serait bête que ça se décolle. Hein. Bon, tant que ça se décolle, que c'est encore chez moi, c'est pas grave. Je recolle et puis voilà. Et une fois que c'est chez la cliente, c'est plutôt embêtant. Bien par ici. Je bouge un petit peu, c'est comme il y a les pinces, je ne pouvais pas rapprocher la boîte, enfin la commode. Voilà. Maintenant, en dessous. Qui roulent comme des sauvages. Et voilà. Ah oui, j'ai encore ce côté-là. J'avais oublié. Vous voyez, aujourd'hui, ça n'aura pas été trop long. Je ne vous aurais pas trop embêté. Bon, après, je vais avoir toutes les découpes de tiroirs. Voilà. Je vous montre. Je vais remettre des pinces aussi de l'autre côté hein, pour que ça sèche bien. Donc voilà. Aujourd'hui. Donc toutes les façades de tiroirs vont être dans le même tissu. Donc on ne verra que les arêtes bleues entre les tiroirs. Hop. Je suis toujours ma tête comme ça. Coiffée comme un as de pique, comme on dit. Et il me restera derrière. Mais ça, je vous l'ai dit, le derrière, ce sera vraiment à la fin, quand je ferai le couvercle. Donc voilà.
Donc aujourd'hui, on n'a pas été, on n'a pas fait trop de choses. Mais je vous dis, comme aujourd'hui, je ne suis pas en très grande forme, je voulais pas faire de trop grosses découpes pour pas faire d'erreur. Voilà. Donc là, je vais laisser sécher aujourd'hui. En fin de compte, comme ça, le tissu noir et bleu, ça fait joli. Hein. Je vous remets à la lumière pour que vous voyez mieux. Ça fait pas mal. C'est joli. C'est joli tout plein. Voilà. Oh, j'ai des biquettes. Allez. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Hein. Du coup, ça a été rapidos. On se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo, une nouvelle aventure et la suite de la commode, hein, bien sûr. Entre deux, il y aura certainement d'autres vidéos. Et sinon, voilà. Alors, n'oubliez pas, vous me laissez des commentaires, vous me posez toutes les questions que vous souhaitez, je les répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. On me laisse plein de petits pouces bleus, hein, ça permet de faire connaître la chaîne. C'est pas juste pour mettre des pouces, hein, ça permet dans le moteur de recherche de YouTube d'apparaître. Voilà, c'est à ça que ça sert, les pouces bleus surtout. Donc, n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces bleus. Pour me faire connaître. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.